Mbote na mino bande ko balandia fantastique info kaka nenge izala toujours na recherche ba info pour na bino ba boni na biso le loto za li susu na kati ya commune ya monga fula na quartier ki mwenza na site mpangala de temps na lobika bongo bino moja pour comprendre l'ingé émission à lilo. Et aujourd'hui sur ce plateau nous allons encore parler d'un arbre fruitier qui s'intitule au nom de papaye. Papayer, voilà. Le fruit, c'est le papaye. L'arbre, c'est le papayer. Donc, ce fruit que vous voyez, je vous dis que, cher abonné, c'est très gros. C'est un fruit qui peut vous peser voilà. 5 à 8 kilos. Imaginez un peu. Nous avons besoin de l'angouana et peser 5 à 8 kilos. Puis, vous voyez, raison, il faut soulever la mesure. Quand c'est ensemble avec notre invité, nous allons parler et continuer notre sujet. Bonjour, Papa Ago. Bonjour, monsieur le journaliste Eloge. Et c'est pour ici, Bon. Variété na yango penza c'est un peu difficile pour na yebako pesa yango mais esa variété na kati ezali na pulpe rouge pe musuni munene munoku muke na kati mais musuni ebele penza c'est la raison pour laquelle le fruit pèse entre 5 voire même 8 kilos. Un seul fruit. Oui. Mais en voyant l'arbre qui transporte tous ces fruits d'étais à mouquer par rapport à nos nombres, par rapport à charge accumulée, les hommes. Bon. Et pour Zarango, préjudice, t'es difficulté. Ça ne pose pas préjudice, puisque nous avons un salarié Ndengwa. Nous avons le coup là. Les êtres humains. Nous avons un bas si, même à Kanambala, moi, qu'on a zé, mais moi, quand même, bah, mais ça, tu n'as le boum. Alors, ceux qui moutent à Koki, moi, si, à Koki, comme même, bah, mais ça, tu n'as pas le boum, qu'on a le boum, a fortiori. Donc, Azali, quand même, bon, c'est un zan. Yé, Azali, pour faire sa mboumamounette, j'étais mouké, mais Azali, qu'on supportait bamboumani aussi, Azali, qu'on botte. Azali, qu'on supportait bamboumani aussi, qu'on botte. J'étais au toujours moi à l'ibosson abisso, y a papayé oyo. Il s'est déjà à peu près combien d'années depuis qu'on est à la plante? Y a sali plus ou moins déjà, Banda et l'onama, plus ou moins 8 mois. 8 mois seulement. Plus ou moins 8 mois ou une année. Banda l'onama. Puisque Banda qu'on botte déjà, presque à l'âge, il y a à l'auteur, il y a à une hauteur, il y a 2 mètres. À Bandi déjà à Bandi Kobot. Donc, les gens qui ont apprécié les gens qui ont sauté. Ah, écoute, racontez. Il y a une variété de Tozali na Yango et Wouti dans Nzete Ol. Donc, quand Nzete Moko O, on a apprécié son papa et nous sommes tous les gens qui ont sauté. Donc, cela veut dire que les gens produire, ça fait presque. Presque 5-6 mois, Banda ko produit. D'autant à l'onami, à Koli. Voilà les jeunes, papa. Nous sommes là, nous sommes là. Et Kassali Mounen était le rôle à Habitabé. C'est ça. Mais ça, moi, je voulais le mesurer. C'est ça. La culture, il y a papayé. Il y a ma nengeni. Car nengé, tout le monde a ton nengeni. Bimboué la bison. La culture, il y a papayé, il y a deux types de reproduction. Donc, il y a des graines dans un sachet. Et pas, il y a un peu de développement. Et à une certaine hauteur, il y a un peu de place définitive. Ou tu occupes pour préparer les boulots quand tu as dit que 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 tu la graine avant ou plantant nécessairement la graine doit être sèche puisque ceux qui ont séché graine yo que l'on a fait les alines en humide les alines en chance mingi et bimaté puisque les robots au loni graine aux anatino arrosé. Mais pendant que la graine n'est pas encore sèche, l'air est allé que je maille, l'humidité est allé
humidité wana ezali ko favoriser pourriture ya graine. Donc c'est la raison pour laquelle graine oyo to sengeli to lona il faut fruit nango et comme à maturité complète pour être ba graine ezala bien formée et puis l'air extrait de graine il faut oluko kausa yango moi moke et kauka moi moke pour na pour éviter ba pourriture. Et si vous avez un sachet, vous avez une place définitive. Quand vous avez une graine, vous avez un soit un sachet, soit un liboulou. Pour que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu s'il vous plaît, répétez un peu. Quand vous avez une graine, vous avez un sachet, vous avez un liboulou. Oui. Pour que vous avez un signe, vous avez un peu de temps. Ça prend au moins combien de semaines? Plus ou moins une semaine. Plus ou moins seulement. Plus ou moins une semaine ou une semaine et demie, graine et demie. Et puis si signe à papa. Oui, oui. Et puis si bourgeon, hein, bourgeon, il y a le bossé, ça coûte à l'issette, graine et demie. Souvent, tout le monde a dit que Baloni paypay, Baloni papayé, Babo qui graine à papayé, fourmi. Et alors, souvent, on dérange. Bon, bah, fourmi, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé qu'il faut graine et kaoka. Puisque. Papaye ezali papaye pardon papaye ezali moi succulent alors l'air ezali nanu état fraîche hein état frais pardon bon ça tire puisque moi sucre wa ba fourmi hein ba yaka pe ko consommer yango alors ce que kaukite au risque que ba fourmi pe ba leyo mbuma yango pe moye bimezati mais ce que kauki e ko tirer présence ya ba fourmi tout la question no simna boko to mona bandiko balandi ba mona voilà bandiko balandi. Bonjour, papaye. On a simi na maboko ezali kaka même variété ya oyo ya liboso mais ndenge kaka bana babota baka na mama moko tata moko ezali linde ezali na baye bazala ka minene pamusu milayi hein zetepe et reproduisaka ba fruit nyos na qualité moko te mais souvent moi différence ya tellement oyo eteli kasi ya ye munene te ya ye munene te par rapport na oyo to moni. Et quand il pesait bah, plus ou moins 8 kilos. Puisque Oyo, ils allaient peser plus ou moins 1 kilo et demi. Puisque y a yé na yé mounenite. Mais c'est trop gros. Non, y a yé na yé mounenite, y a yé na yé malingre. Yé na yé bita, peut-être, à joie qui bilé ming ming te, y a yé à développer penza mounenite. Continuons un peu notre mission. Tous on a un dieu à mounenite, ce penza. Ma papa, y a yé bilé. Tout le monde a un peu sur amendement, y a. Papaye, est-ce que azalaka mandé lokola ba légumes lokola ba arbre fruitier sont en ngeni? Il y a azalaka asenga ka mandé ba lokola légumes té puisque il y a za légumes té ye aza arbre. Ah, il y a za arbre fruitier. Donc mandé mana ye esenga ndenge kaka tolona ka banzete nyonso sali trouaison wa mandé yango na ba matière organique hein ezala ba fumier au besoin mais l'utilisation des engrais c'est vraiment un peu rare. Tellement on a la possibilité ya de disposer fumier organique pour ça il a mis une carte fumier organique na ba matiti oyo ekauki to zali ko tia e poli mais to loni nzete nden nzete e lonami a gros d'ancien kaou bam papaye oyo isa vraiment inene makasi to lo bela siko na vente nango est-ce que o te kango na mbuma moko moko to ningini. Bon, vente, ils ont différé, soit vente en détail ou bien vente gros. Tout le monde en gros. Na oyo, en gros, ce qui est en tête, c'est d'abord le prix par d'un fruit. Donc, ce qui est en tête, je peux vendre ça. Na muto ya zaku somba po yake ne kure vendre. En tout cas, je peux vendre ça à 4500 ou 5000 francs. 4500 vaut déjà. Et puis on les a pris à niveau ya biso au naza. Na kati ya wenze kuna libanda te. Na kati na wenze c'est une papaye qui peut vous coûter même de 8 à 10 000 francs. Donc à peu près 5 euros. Vraiment ba marché penzo ya solo. Ba mbumo yo ndenge yango ezali, ça peut vous coûter 8 000 ou 10 000 francs. Donc 5 dollars. Oui. 4 dollars oui. Ou 5 dollars. Si si. À part consommation nango comme fruit. Papaye basale la kesuni. Bon, basari la gayango ba potage ba jus ba nani ba crème papaye hein basari la gayango ba crème hein biso kaka puisque tous allez sous équipés sinon papaye
ils allaient à la consommation directe, crème tout ça. Est-ce qu'il arrivera à peine à endetter mon renégé tout ce monde à boire et tu les permets sous 10 papa et 5 père 4. Bon, 10 normalement que pour être là c'est un peu rare, mais à quoi que tu lis ça, puisque maturité n'ango ton côté là n'ango et salamaka, hein, et au fur et à mesure, hein, sous forme d'une chaîne. À quoi que tu lis ça, normalement mi balé mi sat, hein, mi balé mi sat, et surtout dans l'heure il y a saison pluvieuse. Il y a un développement, mais puis, à quoi il y a même 4 papayes à la fois. Donc, vous voyez que dans la saison sèche, par manque d'eau, nous étions, et moi, je choque moi, ming, développement, et ils ont un peu de l'air. Donc, papaye, c'est un papaye comme fruit, arbre plutôt, et papaye comme fruit, et ça peut être la rentabilité quoi? Ils allaient la rentabilité. Puisque ce qu'on a tel que le type ya papa yoyo, ce qu'on a même ne fût qu'une dizaine. Hein? Mm-hmm. Une dizaine, c'est chaque semaine que vous devez vendre. Wow! Oui, c'est chaque semaine que vous pouvez vendre même une dizaine de papayes ou même une vingtaine. Chaque semaine? Oui, chaque semaine. Surtout en saison pluvieuse. Puisque je donne bien l'accent que tout ce qui est fruit, le développement dans la saison pluvieuse, ça va vite, vite. Par rapport à la saison sèche, au Yombou, les alliés sont bêtes. Est-ce que. Bon. Donc, les alliés parmi la culture et négligeable. Mais ce que vous allez, même une vingtaine de papayes, ça peut vous donner, vous faire un peu d'argent, puisque c'est chaque semaine que vous devez récolter, vendre. Faisons un peu tourner le cerveau plus loin. Bah, arbre fruitier, bah, c'est maintenant plus la saison pluvieuse. Oui. Nous avons tous les papayes, ouah, bandité, monsieur. Pour les alara tout le temps parce qu'il y a tout le temps il y a c'est la pluie, il y a l'eau est vraiment c'est vraiment, vraiment c'est un élément inévitable pour tout être vivant. Tout ce qui vit a besoin de l'eau. Si maintenant nous obtenons en fait nous prenons la technique ya arrosaka ba fruit ba arbre fruitier vous voyez na ba saison sèche, est-ce que moi résultat peut être un peu différent? Résultat est que ça la différent puisque quand on a la possibilité d'arroser régulièrement en saison sèche, hein, où c'est une saison rare sur les tout ce qui est fruit, mais recette peut que ça la il faut mat. Donc ningema ils ont côté la ningem bomba peut la mener. Amen dingue puisque l'eau c'est un élément incontournable. J'ai dit que tout être vivant ezala nzete, ezala nyama, ezala mutu. L'eau, c'est un élément incontournable. Donc, nous, les agriculteurs, en saison sèche, quand on n'a pas la possibilité d'apporter l'eau aux végétaux, c'est tout un problème. Tel que Ngayawa, quand il y a une saison sèche, malgré nos alliés, nos ruisseaux, nos bains de la gamale, nos motopompes, mais le problème d'eau se pose. C'est par là où j'ai toujours souhaité ce qui. Un bienfaiteur et ça de la bise au forage, je crois qu'on va résoudre les problèmes d'eau, surtout en saison sèche. Nous allons résoudre le problème d'eau en saison sèche. Fidèles abonnés, tu as commis vraiment presque na souka et Michel Abisso. Tu as le arbre frotteur à Bengina Komboya, papaye. Et son fruit, c'est le papaye. Au bout de mon abili, il n'a pas de nom. En gros, on a expliqué ce malon abis. Nous étions tous au monde en haut et ben la robot a déjà parti il y a 6 à 7 mois et possible sur Jambouma. Donc, n'engezo bota, n'engezo quoi. 6 mois c'est trop. C'est plus ou moins 4 mois et quelques. A ben déjà robot en Bouma. Donc, n'engezo bota en Bouma, n'engezo cola. Puis ici sur Malamu, ben nous étions sur Boromo na Bilili ah ouais pay pay au monde na Yipena Yipena tout au monde na Mamu si kakuna. Et ça dit qu'à la grande et où t'as qui nous étions ou à mon nene haut. Ndi yango aloni o kuna ndi aloni o eza na kati ya germa kuna uzomo na bili kuna ndi aloni pe yango o wana ndi aloni pe oyo do aloni lo bipai na bipai poete e botambuma kasi tolobeli pe pona rentabilité ya papai o bozomo na alobi malamu ete soki saison de pluie e botara kitoko pe bele soki saison sèche eso dépend na nini ozako amande yango. Nous un résultat positif. Si vous avez une prochaine émission,
pour s'abonner les sous et bélé bélé la chaîne d'Avenue Fantastique Info. Bon, comme la biso va sujet, vous en avez besoin tout le bela dans ma prochaine émission. Na biso, boutique à malamou. Bye bye. Bye.